Yo, salut guerrier, c'est Anou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler des différents formats audio pour les DJ. Alors, je vais faire très simple, en fait, je vais prendre d'un côté le format WAV et d'un côté le format MP3. Le format WAV, en fait, c'est tout ce qui va, comment dire, il y a le format WAV, mais tous les autres formats qui sont sans perte de qualité, qui peuvent être compressés mais sans perte de qualité. Il y a le format FLAC par exemple. D'accord? Donc on a voilà, le format WAV qui va être. Je vais juste parler de format WAV hein, pour simplifier. Et d'un autre côté, on va avoir le format MP3 ou tous les autres formats qui sont compressés avec perte de qualité. Donc la question c'est, est-ce que c'est bien d'utiliser du MP3 plutôt que du WAV pour les DJ? Bon, la réponse pour moi c'est non. Le MP3 c'est de la merde, je te le dis, on voyait les caches. Hein. Le MP3 c'est de la merde parce que en fait c'est pas de la musique. C'est de la musique qui est dégradée à partir d'un fichier WAV par exemple qui est lui-même dégradé en fait, par rapport au fichier master. Alors, pourquoi je dis que le MP3 c'est de la merde? En fait, alors déjà, j'ai pas envie de rentrer dans le débat du genre ouais, mais du MP3 128 kilobits ou 320, de toute façon, on n'entend pas les différences, etc. etc. Ou alors, les gens sur le dance floor, ils sont bourrés, de toute façon, tu leur mets du MP3, ça change rien pour eux. Déjà, alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais déjà, le MP3 est un format WAV en qualité CD. Donc en 16 bits 44,1 kHz, bah déjà c'est pas pareil, sinon les deux n'existeraient pas. Hein. Le MP3 par définition c'est un format qui est dégradé. Donc on enlève des données pour alléger le fichier. Donc on dénature le fichier, hein, le morceau à partir du fichier comment dire WAV en 16 bits si c'est mal fait. Et si c'est bien fait, le MP3, on le fait à partir du master. Le master, c'est quoi? C'est la version haute définition du morceau que l'ingénieur de mastering a exporté. D'accord? Donc, si tu veux, on a le master qui est en super définition. On va dégrader sa qualité pour arriver au format WAV 16 bits. 44,1 kHz, qui est, on va dire, le minimum acceptable, et on peut partir encore plus bas et aller dans le MP3, et là, c'est pas acceptable. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, tu fais ce que tu veux. Donc, est-ce qu'on entend la différence ou pas entre du MP3 et du WAV? C'est même pas en fait la question déjà. Ça, chacun de juger, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais pour moi, en fait, c'est surtout une question d'éthique et de respect. En fait, quand tu es conscient du temps que ça prend de créer un morceau, moi, un morceau, si tu veux, un morceau de musique, ça me prend à peu près au minimum 50 heures de travail entre l'écriture, l'écriture de la mélodie, la compo, l'arrangement, les peaufinages. Ensuite, il y a tout le mixage et puis après, il y a le mastering. À plus haut niveau, tu vois, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus de travail que ça. Pour des gros, gros, gros producteurs qui travaillent même en équipe, c'est plus que 50 heures de travail. À mon avis, c'est au moins le double, voire peut-être même beaucoup plus. Donc, et tout ça, en fait, c'est fait avec énormément de minutie et de détails. Tu as un ingénieur de mixage, après tu as un ingénieur de mastering, ils bossent avec du matos de malade, ils bossent dans des pièces qui sont traitées au niveau de l'acoustique par des professionnels. Donc au final, on arrive avec une œuvre qui est en super qualité, donc on appelle ça le master. Et au final, de fil en aiguille, on se rend compte que les gens, ils écoutent ou ils mixent en MP3, en 128 kilobits. Enfin, pour moi, je veux dire, c'est tellement dégradé, c'est une insulte en fait. Le MP3, c'est une insulte aux producteurs, aux ingénieurs de mixage, aux ingénieurs de mastering qui ont fait leur taf de manière extrêmement fine, extrêmement précise. Le MP3, en fait, c'est juste de la merde. Le seul avantage du MP3, c'est que ça prend moins de place, mais pour moi, c'est pas un argument. Ça prend moins de place sur le disque dur, mais attends, tu fais de la musique pour entendre quelque chose ou partager quelque chose qui est joli et avec le respect qui va avec, ou alors tu diffuses du bruit de mauvaise qualité sous prétexte que ton disque dur il n'est pas assez gros pour contenir des musiques au format WAV, voire mieux, tu vois. Je veux dire, c'est quoi ta philosophie? Est-ce que c'est de, c'est, c'est, tu vois, c'est, est-ce que ton intérêt c'est de tu vois, d'économiser de la place sur ton disque dur, ou est-ce que c'est de faire partager des émotions à des gens, quoi? Enfin, il y a un moment. Alors, tu as peut-être pensé que je suis un peu extrême dans ma façon de penser, mais enfin, franchement, je sais pas tant que ça.
Donc là, donc moi évidemment, je travaille que en wave, donc que ce soit pour les, donc pour mes mix DJ, hein, et même quand je mixe que la maison, hein, dès que je fais, enfin, de toute façon, je ne mixe pas de MP3, donc que ce soit la maison, enfin le principe s'applique tout le temps. Et je te recommande vraiment de faire pareil. En plus, quand tu as cette éthique de ne travailler qu'avec des fichiers wave, c'est-à-dire que les wave, faut aller les récupérer. Hein, donc des fois c'est des free download, mais la plupart du temps c'est payant. Et c'est tout à fait ok, c'est même très bien, parce que 2 euros pour un morceau, c'est rien du tout. 2 euros, tu vois, c'est que dalle pour toi qui vas acheter. Mais en même temps, c'est ce qui rémunère en fait l'artiste, le producteur, les ingénieurs, etc., qui font tourner un peu l'industrie sans laquelle on n'aurait pas tous ces morceaux, on ne pourrait pas faire toute cette passion qui est liée, tu vois, toute cette passion autour du DJing. Donc c'est vraiment pour moi une question de, tu sais, d'éthique, de respect en fait de tous les gens qui s'unissent pour créer un morceau. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est des dizaines d'heures de travail, c'est du travail de précision, etc. Tout ça pour que ça finisse en MP3 128 kHz. Non, franchement, il y a un moment, faut arrêter de faire de la merde, quoi. Donc voilà, encore une fois, c'est que mon point de vue. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux mixer du caca, tu mixes du caca. Si t'as pas envie de rémunérer les gens pour qui tu kiffes, chez qui tu kiffes écouter leurs morceaux, et t'as pas envie de les payer à leur juste valeur, c'est ton éthique, c'est toi qui vois. Moi, j'engage vraiment mes élèves à travailler qu'en web. Donc là, le truc, c'est que on est vraiment dans un contexte de DJ producteur, c'est-à-dire que quand tu es sur un style musical et que tu vas jouer un set en public, par exemple un set d'une heure ou d'une heure et demie, donc on est très très focalisé sur un style musical. Je parle vraiment dans ce contexte-là, et donc là, en fait, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de morceaux. T'as besoin de, si tu veux faire un set d'une heure, tu as besoin de 20-25 morceaux. Alors tu vas me dire, ouais, mais dans ta collection, tu as beaucoup plus que ça, tu veux faire d'autres sets, peut-être sur des tempos différents, peut-être même que tu es sur plusieurs styles différents. Ok, mais dans ce cas-là, tu peux avoir quelques dizaines, voire éventuellement quelques centaines de morceaux, mais ça ne sert à rien d'en avoir plus. Et plus tu as une collection de morceaux qui est grande, et plus ça va à un certain. À un moment donné, ça va un peu te mettre des bâtons dans les roues, parce que plus ta collection elle est grande, plus elle est compliquée à entretenir, plus à chaque fois que tu cherches un morceau, ça va être compliqué si tu en as beaucoup pour le retrouver, même avec les systèmes de tag, de recherche, etc., qu'on a sur des logiciels. Et encore, ça c'est quand tu es sur logiciel, hein, ou sur platine CD, mais quand tu es sur vinyle, t'as pas ça. Donc finalement, je recommande tout le temps, et j'applique toujours une approche très minimaliste. Il vaut mieux avoir peu de morceaux, mais que ces morceaux, ce soit vraiment la crème de la crème. Et tant qu'à faire, autant les avoir que en wave. Comme ça, tu es sûr de délivrer une qualité maximale. Tu as une bonne éthique vis-à-vis, des gens qui produisent de la musique. Enfin, pour moi, c'est l'idéal. C'est vraiment ça que je pratique et que je recommande. Donc encore une fois, ça, c'est dans ce contexte d'être DJ producteur. Tout ça, en fait, c'est moins valable dans d'autres contextes. Par exemple, si tu es DJ animateur de mariage, d'événements, d'anniversaire, dans ce cas-là, tu te dois d'avoir une grande quantité de morceaux, parce que le contexte est totalement différent. Tu vas pas être booké pour jouer, je sais pas, de l'électro pendant 1 heure. Tu vas être booké pour assurer toute une soirée. Avec un public qui est composé de gens très différents, qui ont des goûts différents. Tu vois, il va falloir trouver des tracks qui plaisent à mamie, comme des tracks qui plaisent aux gamins. Donc du coup, il faut une collection de morceaux qui soit très très large pour pouvoir satisfaire ce type de public qui est très hétéroclite, en fait, très 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 varié. Dans ce cas-là, avoir du MP3, si ça te permet d'économiser de la place sur le disque dur. Ouais, éventuellement, tu vois, éventuellement. Si vraiment tu ne peux pas faire autrement et que tu n'as pas les moyens forcément d'acheter tous ces morceaux, parce que là on parle de milliers de morceaux, on ne parle plus de dizaines ou de centaines de morceaux, on parle vraiment de milliers de morceaux pour avoir vraiment des grosses collections comme ça. Dans ce cas-là, le MP3 éventuellement, et dans ce cas-là, fais un effort, prends que du MP3 320 kHz pour quand même avoir un minimum de qualité dans du MP3. Mais. Enfin, après, voilà, si tu veux bosser avec de la merde, bosse avec du 128 kHz.
C'est pour moi, il y a ce truc de qualité en fait, de qualité d'un point de vue technique, mais aussi d'éthique et de respect en fait de ceux qui font de la musique. Voilà, je vais te partager ça un peu aujourd'hui pour clarifier un petit peu pourquoi je conseille le WAV plutôt que le MP3 et toujours encore une fois par rapport au contexte de DJ production. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis en commentaire si jamais ça te. Comment toi tu réagis en fait par rapport à ça? Est-ce que, bah non, le MP3 c'est ton truc? Est-ce que le WAV tu t'en bats les couilles? Il n'y a pas de souci, hein, c'est chacun sa philosophie. Mets ça en commentaire. Pense à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne aussi. Je te mets dans les liens un pack de bienvenue DJing. Tu vas voir, c'est complètement gratuit. Tu peux récupérer comme ça un guide de démarrage pour les débutants. Tu as également des petits tutoriels, des petits modes d'emploi sur le mix en fait, avec deux, trois petites astuces, des trucs qui peuvent t'aider. Il y a quoi d'autre? Il y a une vidéo aussi pour mieux t'organiser dans la semaine pour pouvoir placer des sessions d'entraînement de mix, pour pouvoir passer plus de temps à faire du son. Et donc réaménager un peu tout ton planning par rapport à ça. Donc tout ça c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!